parce que Shell est à la recherche de biocarburants pour répondre aux lois qui exigent maintenant, dès 2025, dans plusieurs pays, qui va obliger les entreprises qui fabriquent des nouveaux plastiques à utiliser du plastique recyclé, physique ou liquide. Et nous, on a cette certification-là, mesdames et messieurs, une certification qui est très prestigieuse, qui garantit à Shell que notre processus de transformation est bon pour l'environnement. C'est donc dire qu'il n'y a aucune émission négative, ni dans l'air, ni dans les liquides, ni dans le solide. On a une super certification prestigieuse, indépendante. Sans cette certification-là, on ne peut pas vendre notre biocarburant à Shell et aux autres sociétés pétrochimiques qui nous sollicitent à tous les jours. Donc, on a parlé de pollution. On vient de vous parler rapidement qu'on a une solution industrielle et non pas artisanale. Maintenant, je vais vous parler du crédit plastique. Qu'est-ce que c'est que le crédit plastique? Eh bien, à chaque fois que les usines de Corsair vont recycler des déchets plastiques en biocarburant avancé, l'entreprise Corsair, à travers une autre filiale, va émettre les crédits plastiques, une preuve numérique, aux gens, aux entreprises, petites, moyennes, grandes entreprises, qui auront passé la commande de retirer des déchets plastiques de la nature. Donc, vous allez recevoir dans un portefeuille numérique, à travers une blockchain transparente, difficilement falsifiable, mais très transparente, pour que n'importe qui puisse constater que vous, comme individu, comme famille ou comme entreprise, vous avez fait votre effort. Voilà la preuve numérique comme quoi on a fait le travail pour vous. Donc, de plus en plus d'entreprises sont obligées par les lois ou sur une base volontaire de réduire leur empreinte plastique. Ce qui veut dire qu'il y a plein d'entreprises actuellement, principalement en Asie, principalement en Amérique du Nord bientôt, mais en Europe et en Asie depuis quelques années, voyez ici des entreprises qui ont réellement joint notre mission. Soit qu'ils nous aident à ramasser des déchets plastiques dans des villes ou dans des endroits où c'est plus difficile, ou des entreprises, des hôpitaux, des chaînes d'hôtels qui ont décidé de devenir plastique neutre. C'est donc dire de passer des grosses commandes pour retirer des déchets plastiques. Bientôt en Amérique du Nord. Le fameux crédit plastique, eh bien, il y a certaines entreprises qui vont même utiliser au niveau marketing le logo comme quoi ils ont participé à la lutte contre les déchets plastiques pour pouvoir justement dire aux consommateurs, à leurs clients, achetez nos produits parce que nous sommes une entreprise responsable. Donc, on va voir ces logos-là de plus en plus à travers le monde. Ça va nous aider même à faire de la publicité pour convaincre encore plus d'individus et d'entreprises de joindre la lutte. Donc, pourquoi c'est intéressant pour nous? Eh bien, c'est simple. Non seulement les entreprises vont pouvoir participer à cette nouvelle économie-là, mais vous, comme simple citoyen, vous pouvez participer à cette nouvelle économie-là. Vous avez le droit vous-même d'acheter des forfaits de neutralité plastique et de recevoir, comme les entreprises, de recevoir des crédits plastiques lorsque le travail sera exécuté pour vous. Donc, qu'est-ce qui est important de retenir ce soir? C'est qu'il y a un gros problème de pollution. Il y a une solution industrielle qui est très utile, obligée par les lois, on doit faire quelque chose. Et nous, on peut, comme individu, moi je le fais, il y a plein de gens ce soir qui le font également. Vous avez le droit, mesdames et messieurs, d'aller voir vos amis, d'aller voir votre employeur, d'aller voir des commerces, des petites, des moyennes entreprises et de dire, s'il vous plaît, participez à la lutte contre les déchets plastiques. C'est vraiment pas dispendieux. Il y a plein d'avantages financiers et non financiers. Et les gens peuvent acheter, donc, ce qu'on appelle un forfait en kilogrammes pour réduire la quantité de déchets sur notre planète. Il n'y a aucune licence commerciale qui est payante pour les Canadiens. C'est donc dire qu'en 5 minutes, vous vous inscrivez, vous recevez une licence pour faire le business avec nous et c'est gratuit pour les Canadiens. Alors que d'autres endroits dans le monde, que les gens vont payer quelques dizaines de dollars pour avoir le droit d'avoir un bureau d'affaires électronique. Et ce qui est le fun, c'est que vous allez pouvoir aller sur une base individuelle, comme un vendeur, une vendeuse traditionnelle, aller voir des gens, aller voir des entreprises, vendre un forfait de neutralité plastique et recevoir 12 % de commission. Vous vendez un forfait de 1000 $, vous allez recevoir 12 % de commission. Si vous décidez de travailler en équipe,
Vous allez recevoir également une compensation, un pourcentage supplémentaire sur les ventes de plusieurs niveaux dans votre équipe. Et tout ceci sans être obligé d'acheter quelque chose, sans être obligé d'acheter à tous les mois, il n'y a pas de vente à pression. Donc, vous recevez 12% pour vos propres ventes et vous recevez par la suite des pourcentages de commission sur les ventes de vos coéquipiers, de vos équipes, jusqu'à un certain niveau. Ce soir, je ne veux pas vous expliquer le plan de compensation, ce n'est pas l'objectif. Demandez à la personne qui vous a invité pour vous donner davantage d'informations comment vous pouvez faire encore plus de vous-même ou en équipe. Donc, il y a trois façons de recevoir de la compensation. Je viens de vous donner un exemple, les ventes directes et les ventes de vos coéquipiers. Par la suite, vous avez deux autres formes de compensation. Rien de compliqué, pas de qualification très compliquée. Donc, en conclusion, Corsair et Amplivo, on a vraiment une super mission. On veut débarrasser la planète des déchets plastiques pour que ces belles petites bêtes-là, nos petits-enfants, n'aient pas à eux-mêmes trouver la solution et à faire le travail que nous, malheureusement, on aura occasionné au niveau de la pollution. Donc, on transforme des déchets plastiques en biocarburant. Ça évite de pomper d'autres pétroles pour refaire du plastique. Et c'est vraiment gagnant pour la planète, pour tout le monde et pour nos poches. Donc, la compagnie Amplivo, qui est la compagnie de marketing avec les gens de vente et les partenaires, on va aider les personnes et on va aider les entreprises à réduire leur empreinte plastique. Vous pouvez gagner des commissions, bien entendu, très généreuses en aidant les gens et les entreprises à devenir neutres en plastique. Donc, on vous demande aujourd'hui de passer à l'action avec nous. Bien entendu, lorsqu'on fait ce genre de présentation-là, assez rapide comme vous avez vu, en moins d'une dizaine de minutes, vous avez trois types de personnes. Vous avez la personne qu'on va appeler numéro un. Ces gens-là, on les aime. Ils ont écouté la présentation ce soir ou pour une deuxième fois, puis les gens se disent quoi? Je veux participer à ça, ça m'excite. Moi, j'ai été un numéro un. Dès que j'ai entendu parler de cette opportunité-là, j'ai compris qu'il y avait un nouveau secteur économique qui était pour aller là, puis je voulais avoir ma part du gâteau. Vous avez des gens qui se sont des numéros deux. Ils trouvent que ça a bien du bon sens, mais ils aimeraient peut-être avoir davantage d'informations avant de se lancer. Même s'il n'y a pas de risque, parce que vous ne payez pas, c'est gratuit, joindre notre mission. Ces gens-là se sont